il va maintenant chercher à voir si la carte ici est reconnue. Une fois la carte est reconnue, où est-ce que vous badiez? Là, ici, là, le lecteur. Oui. S'il le reconnaît, oui. Et donc, si il se passe, ça s'allume. Il y a une batterie. Il y a une batterie, il y a un système que j'ai aussi. C'est tout un choix qui est là, de programmer. C'est lui qui gère l'ensemble du système. Une fois qu'il reçoit des inscriptions, il va dire à la partie ici, fais ce que je te demande. S'il lui dit, j'ai besoin que tu déplaces la voiture, la partie conduite, il y a la lettre qui s'allume. Et directement, c'est à vous. Oui, mais qui dit qui décide de ça? Qui dit, La partie puissance est de ce côté. Il commande, il l'a. C'est genre de cette carte ici. Ah, ok. Ça, je le conseille. C'est vous qui avez construit cette carte mère. Mais je n'ai pas impliqué ici. Il y a un peu d'effet. Donc ici, ça ne peut pas démarrer. Ça démarre, ça conduit. Ici. Oui, ça marche correctement. Sans problème. Il a fait frapper ailleurs. Il a conduit. Moi, je ne peux pas conduire, mais j'étais un peu. Ah oui, ça doit. Mais c'est le problème reste toujours le même. Le problème reste toujours. Il faut soigner un peu l'esthétique. Parce que si moi je dois conduire ça, quelqu'un peut conduire. Je suis sûr que je vais faire un accident. Même en se mettant à côté, il faut que ce soit quelqu'un de petite taille. Attention. Ok, si vous voulez vraiment que ici ça va, ici il y a assez d'espace. Ça va. C'est vous qui avez construit ça. Oui, je ne suis pas celle parce que je suis ingénieur en électronique appliquée. Ok. Je suis d'accord, j'ai une petite entreprise que je gère et j'avais l'idée de concevoir cette voiture. Je suis celle, je ne sais pas. Et vous avez cherché des partenaires avec qui vous? Non, j'ai cherché que des collègues. Et maintenant, vous avez créé une société? J'ai créé une petite société. Avec eux? Avec les collègues? C'est ma société. Oui, je travaille avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En tout cas, j'ai besoin de produire vraiment ces genres de voitures qui va être commercialisé. Oui, mais la technologie, oui. Mais maintenant, le design aussi, vous devez l'améliorer. Parce qu'il faut des ceintures de sécurité, par exemple, il faut des portes. Il faut se recouvrir en cas de pluie. C'est un prototype, mais c'est le président. C'est un prototype, je comprends. Mais comment est-ce que vous avez déjà des études dans ce sens? Oui, j'ai déjà des études qui sont en train de préparer déjà pour comment améliorer. Et vous êtes en contact avec les autorités? Oui. Le ministre, il est où là? On a échangé avec elle. Je crois qu'on peut l'accompagner avec Julien si elle vient nous rejoindre. Mais si elle peut venir, il est à côté. Il faut l'accompagner soit par vous, soit le FPI aussi. Le FPI est là. Voilà. Et Julien, le ministre Panouk, il sera avec toi? Non, nous avons son voisin avec nous. Ah, ok. Il sera là le lundi. Bon, c'est quoi ce truc que je vois, connexion là? J'ai vu quelque chose là qui apparaît, connexion. Donc vous avez aussi... Il y a l'internet qui se passe grâce à ces microcontrôleurs. Ah, okay. C'est connecté via internet et Bluetooth. Donc c'est vraiment... c'est magnifique, hein? C'est moderne quoi. Il suffit simplement d'intégrer tout ça dans un bon véhicule et on a une voiture congolaise. Pourquoi ne pas RDC. Concevoir une voiture unique à votre place. Bien sûr. On va vous accompagner, maman. Merci beaucoup. Félicitations pour ce que vous faites en tout cas. Et ça, c'est quoi? C'est le tableau de bord. Eh bien, en plus, écran tactile. Non, mais c'est génial. Merci beaucoup. Magnifique. Bravo. Merci. En tout cas. Merci.